comment ça se passe quand les gens, là, il y a quelqu'un qui vient à 14h, un journaliste de la rue de Genève. Voilà, donc j'ai pas eu le temps. Bonjour. Je connais le métier. Bonjour, Philippe. Bonjour. Ah oui, ça sentait. Damien Namia, c'était bien, hein, ce qu'il a dit. Enfin, j'ai entendu un petit bout. C'est... On a publié ces caricatures déjà par solidarité avec les dessinateurs du Danemark et avec le directeur de France Soir qui s'est fait quand même un peu honteusement lourder suite à la publication. Et par ailleurs, c'est pas du tout une provocation. Exercer son droit à la liberté de caricature et à la presse, c'est pas une provocation. La nuit s'est gardée aussi. La nuit, chez vous. Ils ont exprimé leur humiliation, leur protestation dans la rue, cette fameuse rue arabe. Parce que ces caricatures humilient le prophète. Ok, quand il y a eu le 11 septembre, Madrid, Londres, on a vu la rue arabe défiler, humiliée parce que des assassins se réclamaient de Mahomet pour commettre des crimes épouvantables. On n'a pas vu la rue arabe défiler. 170 aujourd'hui. 370. 190. Il faut dire non, on ne peut pas laisser des groupes religieux donner les règles du jeu de la liberté d'expression. On ne peut pas laisser faire ça. J'étais scandalisé par ce qui se passait. Après la mise à pied du patron de François, puis j'ai entendu des réactions, je dis, mais attends, mais ils sont fous les gens. La France, ça va plus être le même pays. Enfin, j'étais vraiment choqué, quoi. Il faut le faire, enfin.